Il y a un Dieu puissant, plus puissant que tes problèmes. Il voit ces choses comme, je peux même dire des fourmis, comme de la poussière, car Dieu est grand. Si en ce moment il est ici, en le même moment il est en Afrique, il est plus grand. On ne peut pas le contourner, on ne peut pas le mesurer. Dieu est grand, très très grand. Donc ne laisse rien t'empêcher, même pas ton voisin. T'es pas venu pour me voir ou pour voir qui que ce soit, pour entendre, ils ont fait des fausses notes ou quoi que ce soit. Nous sommes contre les 24 vieillards et les 4 êtres vivants qui vont se prosterner et lui dire « Saint et l'Éternel, tu es saint, Jésus est saint et sa présence est ici. » Ne soyons pas dans la distraction car l'Éternel va libérer quelque chose ce soir. Libérer, libérer, il faut juste croire. Ne pense pas aux choses que tu vas faire après. Dans l'adoration, on oublie qui on est, on pense à Dieu. On pense à Dieu. Alléluia. Dieu, c'est mon désir. Jésus, je te donne mon cœur ce soir. Je te donne mon âme. Je te donne tout ce qui est en moi. Alléluia. Je te donne mon âme. Dieu, c'est mon désir de ton
Mon âme soupire après toi, Jésus. Pour ta
Seigneur, tu as été avant que je sois tué. Seigneur, je pense que tu resteras Dieu. Seigneur, on pourra me montrer là où Pharaon est mort. On pourra me montrer là où Bouba est mort. Mais Seigneur, Jésus, tu es mort, tu es ressuscité. Jésus. Seigneur, comment le roi t'adorer? Tu es le seul unique Dieu, le véritable Dieu. Il y a des hommes qui se montrent qui se donnent le nom de Dieu, Seigneur. Ils n'arrivent pas à faire ce que toi tu fais pour nous. Seigneur, le souffle de vie que toi tu nous donnes, qui pourra nous guérir si ce n'est que toi? La force que tu nous donnes chaque matin, qui pourra nous la donner si toi tu ne nous la donnes pas, Seigneur? Seigneur, même si les hommes ne veulent pas croire que toi tu es Dieu, Seigneur, moi je déclare que toi tu es Dieu. Seigneur, même si les hommes ne veulent pas t'acclamer, sinon tu es capable de ressusciter même des pierres, sinon pour te rendre gloire. Le frère Emmanuel qui va nous exhorter quelques minutes sur le thème retour au culte originel, et puis nous allons continuer dans cette atmosphère d'adoration. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour le Seigneur? Ça ne suffit pas. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour le Seigneur? Les musiciens, vous avez beaucoup joué aujourd'hui. J'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour le Seigneur? Ça, c'est-à-dire que quand on acclame Jésus, on va rester assis.
Mais moi, j'ai pas lu ça dans la Bible. Moi, je sais que lorsqu'on acclame le Seigneur, c'est lui qui est assis. Toutes les personnes qui l'acclament, ils sont debout. Acclamons très fort le Seigneur. Dans un palais, tout ça crie. Vous êtes froid. Dans un palais, tout ça crie. Vous êtes toujours froid. On recommence. Dans un palais, tout ça crie. Dans un palais, tout ça crie. Et dans un palais, tout ça crie. Acclame le Seigneur. Quelle grâce. Oh, merci. Je ne vais pas être long parce que le pasteur ou l'évangéliste qui est passé ici, il a dit beaucoup de choses qui étaient par rapport à mon thème. Mais bon, c'est l'esprit. Hein? Amen. Donc, en cet instant, j'aimerais vous parler sur le thème de notre soirée, qui est du retour au culte original. Amen. Tout le monde peut dire retour au culte original. Retour au culte original. Vous allez me poser la question, frère Emmanuel, c'est quoi le culte? Frère Emmanuel, qu'est-ce qui est original? Ben, je vais vous définir la définition. Comme moi, je ne suis pas trop dans le monde, je me réfère à ce que Dieu a mis à notre portée, qui est le dictionnaire. Amen. Dans le dictionnaire, tout ce qui concerne le culte, ça veut dire cérémonie, honneur rendu à Dieu ou à une divinité. Bien-aimé, on a plusieurs sortes de cérémonies. Il y a des cérémonies de deuil. Il y a des cérémonies de mariage. Mais lorsqu'on parle d'un culte pour les enfants de Dieu, c'est une cérémonie qu'on rend à Dieu, à lui tout simplement. C'est pas que tu viens à l'église pour ton pasteur. C'est pas que tu viens à l'église pour un frère. C'est pas que tu viens à l'église pour chercher un fiancé. C'est pas que tu viens à l'église pour chercher le mariage. Mais lorsque tu viens à Dieu, lorsque tu viens à l'église, tu viens pour Dieu et lui seul. Tu viens lui rendre un culte, donc une cérémonie à lui seul. Aujourd'hui, ça m'étonne. Des personnes viennent à l'église pour trouver le boulot. Des personnes viennent à l'église pour chercher le mariage. Non! La Bible déclare, premièrement, recherchez le royaume des cieux et tout ce que vous demanderez vous sera donné par la suite. La Bible n'a pas dit, premièrement, viens chercher une femme. La Bible n'a pas dit, premièrement, viens jouer au clavier. La Bible ne dit pas, premièrement, viens danser pour Dieu. Non! La Bible dit, recherche premièrement le royaume des cieux. C'est quoi le royaume des cieux? Pose-moi la question. C'est quoi le royaume des cieux? Nous venons à l'église pour Dieu et lui seul, il n'y a personne d'autre. Il faut vous mettre dans votre conscience et dans votre tête qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus supérieur à Dieu sur cette terre. Il n'y a aucune personne qui est capable de te donner ce que ton cœur désire si ce n'est que Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, moi, excusez-moi de dire ça, mais moi je suis fatigué des prédications qui disent viens à l'église, je vais te bénir. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Bien, Dieu ne va pas te bénir si tu marches pas selon sa volonté. Sache-le un jour. Sache-le que pourquoi tu as béni. Alléluia. Pourquoi Dieu a béni David contre Goliath? Pourquoi Dieu a béni Job? Parce que Dieu marchait dans la crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est triste. Vous voyez, des églises sont pleines, pleines, pleines. Posez-vous la question, ces églises sont pleines. Pourquoi? Ils sont remplis pourquoi? Est-ce que toutes ces églises, ils viennent pour Dieu ou bien ils viennent pour recevoir le matériel? Vous savez, un jour, je dis à mon père, qui est dans la salle, je dis, papa, je le dis devant Dieu et devant toi, lorsque je viens à l'église, je ne vais pas pour toi. Je ne viens pas pour maman, je ne viens pas pour ma famille, mais je viens pour la personne qui a fait qu'aujourd'hui, moi et ma mère, je me tiens debout ici. Amen. Bien aimé, tu parles chez un frère. Ok, le frère, tu lui confies ton problème. Le frère, il t'a attendu, il t'a écouté. Mais bien aimé, la personne, il ne sera pas capable de te donner ce que ton cœur désire à 100%. Parce qu'il est humain comme lui. Lui aussi cherche ce que son cœur désire. Mais lorsque tu t'approches devant Dieu, bien aimé, sache-le que ça peut se faire un an, deux ans,
toi sort. Sache un jour ou l'autre, avant le retour du Seigneur, il te donnera ce que tu cherches. Bien aimé, si tu regardes Sarah, Dieu avait fait exprès. Dieu avait fait exprès. Dieu pouvait donner à Sarah un enfant depuis longtemps. Isaac, il pouvait venir depuis longtemps. Mais pourquoi il n'a pas donné? Il voulait tester la foi d'Abraham et de Sarah. Dieu, s'il te donne pas ce que tu cherches, il veut tester ta foi. Il veut savoir jusqu'à où tu vas aller pour recevoir cette chose-là. Moi, je te dis, persévère dans la prière, persévère dans la présence de Dieu, sois humble, humilie-toi devant Dieu et il te donnera ce que ton cœur désire. Attends, le Seigneur. J'espère que vous avez vos bibles. Je dis, j'espère que vous avez vos bibles. Nous ne sommes pas venus dans un concert, nous sommes venus dans une soirée d'adoration. C'est-à-dire qu'il y a une prédication, donc vous devez amener vos bibles. Prenons le livre de Hébreux 12, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Chapitre 12.